la ville de Tournai peut s'enorgueillir de posséder un passé historique militaire très riche. Sa citadelle édifiée sous Louis XIV en est la plus belle preuve. Mais revenons 3 siècles plus tôt. Le 17 septembre 1665, l'Espagne est orpheline, le roi Philippe IV s'éteint à Madrid. D'un deuxième mariage, il laisse comme seul héritier mâle un fils de 4 ans, le futur Charles II. Sa sœur Marie-Henriette, née d'un premier mariage de Philippe IV, aurait renoncé au trône d'Espagne et à son héritage lors de son union avec Louis XIV. Une dot colossale versée au roi de France devait compenser l'héritage légitime de Marie-Henriette. Celle-ci, seulement partiellement payée, pousse Louis XIV à revendiquer les Pays-Bas espagnols au nom d'une loi brabançonne qui octroie les biens au premier enfant d'un premier lit. La guerre de dévolution oppose la France et l'Espagne. Le 21 juin, après la prise des villes de Bergues, Courtrai, Dixmude et Armentières, Louis XIV, Turenne et Vauban se présente devant Tournai à la tête d'une armée de 100 000 hommes. La ville ne résistera que quelques jours. La garnison espagnole, composée de 3 000 soldats, est retranchée au château d'Henri VIII. Elle se rend le 25 juin. Le XVIIe siècle est l'époque des nouvelles techniques de siège. Une première tranchée est creusée à 600 mètres, hors de portée des tirs de canon, tandis que la deuxième ligne permet de se rapprocher de la place forte et d'ajuster les tirs dirigés vers les points faibles de la fortification tout en restant à l'abri. Enfin, la troisième tranchée, dernière menace renforcée par des travaux de sape, devait forcer l'assiégé à battre la chamade avant l'assaut final. Ce système de parallèles reliés par des tranchées en zigzag pour éviter les tirs en enfilade sera employé et amélioré par Vauban, un des plus grands spécialistes de la polyorcétique. Ce système d'attaque demandait une main-d'œuvre très importante, plusieurs milliers d'hommes s'attelaient aux travaux de terrassement et de fabrication du matériel nécessaire au siège, comme des gabions, mantelets et palissades. Les différents obstacles de défense étaient franchis méthodiquement, de nuit et dans des conditions souvent pénibles. Le cheminement d'approche pouvait durer plusieurs semaines, ce qui permettait parfois à une armée de secours de lever le siège. Néanmoins, la plupart du temps, c'est le manque de nourriture et de munitions qui forçait l'assiégé à se rendre avant l'assaut final. Dès la prise de Tournai, dont le système de défense est mal entretenu et non adapté à l'époque, Louis XIV va charger Vauban d'améliorer les fortifications de la ville. L'Escaut est canalisé afin d'augmenter les capacités d'inondation défensive. À partir du 7 août 1667, une nouvelle citadelle est construite sur les hauteurs sud-est de la ville, à un emplacement choisi par Vauban. Desoulières en dessine les plans, Mégrini se charge de la réalisation et en devient le gouverneur. Le château d'Henri VIII, édifié en 1515, est démantelé. Ses pierres servent notamment à la construction des quais de l'Escaut. Pour construire la citadelle et son esplanade, un quartier de la ville est détruit. Les habitants, couvents et hôpitaux de la paroisse Sainte-Catherine sont déplacés en ville, entre autres dans le nouveau quartier du château qui occupe l'emplacement de la citadelle d'Henri VIII. Les soldats du régiment de Turenne, les gardes du roi, gardes suisses et gardes françaises, les hommes du régiment du Dauphin se succèdent. En 1671, le chantier monopolise 30 000 hommes de troupes. Il se relaie par pause de 4h à 19h au son du canon et l'on vient de loin pour admirer ce spectacle. L'esplanade sert de zone tampon et met à découvert l'armée assiégeante. L'ensemble des fortifications de la citadelle couvrait une surface de plus de 72 hectares. Cette construction impressionnante est dotée d'un système unique de mines et de contre-mines. En 1672, Jean de Mégrini, le concepteur, crée avec la cour du roi Soleil la première compagnie franche de sapeurs mineurs. Ces 120 sapeurs réalisent pas moins de 17 à 25 km de galeries de communication, d'écoute et de contre-mines. L'ancêtre du génie français est né. La citadelle est dotée d'un système de défense souterrain qui, en plus de mettre à l'abri hommes et matériel, permet de maintenir les activités indispensables à la vie des troupes, une petite ville en soi. On y trouve des boulangeries, boucheries, logements de troupes. On peut sans aucun doute parler d'une citadelle souterraine. Ces galeries sont réalisées en temps de paix, ce qui permet de les construire à ciel ouvert.
Après le creusement d'une tranchée à bonne profondeur, les murs de soubassement sont montés, puis après l'installation d'une ossature en bois reposant sur des boulins, des pierres ou des briques sont maçonnées à la chaux, de façon à former une voûte solide et résistante. Après séchage, il n'y a plus qu'à démonter le support et à reboucher la tranchée. De chaque côté du fossé, les galeries d'escarpe et de contre-escarpe servent pour l'essentiel de communication. De cette façon, le défenseur peut déplacer ses troupes à l'abri des coups et des vues de l'ennemi. Des galeries d'écoute sont creusées aux abords extérieurs de la citadelle, les soldats équipés de seaux remplis d'eau et de tambours, sur lesquels ils ont posé des petits cailloux, détectent les travaux d'approche de l'ennemi. Au moment qu'ils jugent le plus opportun, ils envoient le signal qui permet de bloquer l'attaque au moyen d'une contre-mine préparée à l'avance ou creusée à la hâte. Encore aujourd'hui, des vestiges de ces galeries mises au jour à l'occasion de chantiers nous permettent d'apprécier la stratégie et le génie militaire de ces grands bâtisseurs et de confirmer leur réalisation sur le site même de la citadelle. Le tourné de Louis XIV va subir sa première attaque lors de la guerre de succession d'Espagne. Celle-ci oppose d'un côté la France et l'Espagne et de l'autre les alliés, Provinces Unies, Autriche et Angleterre, au sujet de la succession au trône d'Espagne. En effet, le testament du roi défunt Charles II désigne le petit-fils de Louis XIV comme successeur, alors que les Autrichiens revendiquent également la couronne. Les troupes alliées commandées par Eugène de Savoie et le duc de Marlborough ouvrent la tranchée le 27 juin 1709. L'armée française retranchée dans la citadelle et commandée par son gouverneur, Jean-Neuf de Maigrigny, rend les armes le 3 septembre alors que la ville avait battu la chamade le 28 juillet. La famine de 1708 et la santé fragile du gouverneur âgé de 80 ans ont raison de la citadelle, mais ne remet certainement pas en cause l'efficacité de son système de défense qui devait permettre de tenir le temps nécessaire à une armée de se porter au secours des assiégés. Celle-ci n'est jamais arrivée. Si les fortifications au XVIIe siècle ont la fonction principale de protéger la place forte, l'entrée principale est une exception. Son architecture est ornée de représentations majestueuses destinées à exprimer la puissance royale. C'est ainsi qu'après la prise de Tournai en 1709, l'impressionnant buste en marbre blanc de Louis XIV, placé sur la porte royale, est amené en Angleterre à Blenheim Palace, château du duc de Marlborough, où il trône toujours côté jardin. Ce buste de Louis XIV en marbre blanc, haut de 3 mètres et d'un poids de 5000 livres, reste le seul vestige extérieur de la citadelle française. En 1740, à la mort de Charles VI d'Autriche, éclate la guerre dite de succession d'Autriche. D'un côté s'opposent la France, la Prusse, l'Espagne et plusieurs États allemands. De l'autre, l'Autriche, l'Angleterre et les Provinces-Unies. La France et la Prusse refusent de reconnaître Marie-Thérèse comme successeur de son père, Charles VI. Le 15 mars 1744, la France déclare la guerre à l'Angleterre. Le 1er mai 1745, Tournai est assiégé par les armées de Louis XV. Lors du siège de la ville le 8 mai, un des magasins à poudre de la citadelle explose, faisant plusieurs centaines de morts et ravageant la citadelle. Son explosion brise les vitraux de la cathédrale et est entendue à des kilomètres à la ronde. Elle projette d'importants blocs de maçonnerie jusque dans le centre-ville. Les alliés envoient alors une armée de secours qui est défaite le 11 mai 1745 à la bataille de Fontenoy. Sans secours, la ville bat la chamade le 22 mai et se rend le lendemain. Le 23, après la capitulation de la cité, alors que les Hollandais regroupent leurs forces pour se retrancher dans la citadelle, une imprudence provoque l'explosion d'un dépôt de poudre à la porte de l'île, tuant de nombreux soldats et bourgeois. La résistance de la citadelle cesse le 19 juin, la capitulation avec les honneurs militaires est signée le 20 juin. En 1749, Louis XV rend pratiquement toutes les places conquises lors de la guerre de succession d'Autriche. Tournai retourne dans le giron autrichien, les galeries de contre-mines et les fronts de la citadelle tournés vers la ville sont démantelés. En 1782, Joseph II, successeur de Marie-Thérèse d'Autriche, poursuit inexorablement le processus de démembrement. Les terrains de fortification sont morcelés et revendus à des propriétaires privés.
Durant la Révolution française en 1789, plusieurs projets de rénovation sont proposés, mais non réalisés. C'est après la défaite de Napoléon en 1814 que l'Angleterre va débuter la reconstruction des défenses de la citadelle. De 1816 à 1822, les Hollandais prennent le relais et, après avoir rasé les dernières constructions de la citadelle française, reconstruisent les fortifications détruites ainsi que 5 bâtiments épousant la forme initiale du Pentagone, les galeries de communication et les demi-lunes. Le réseau de contre-mines typique de la citadelle française n'est pas rétabli. C'est en 1863 que le démantèlement des fortifications et de la citadelle est décidé. Les premières démolitions commencent en 1869. Une nouvelle invention est testée, la dynamite. Les travaux de démolition s'accélèrent. La période industrielle permet l'urbanisation. Tournai n'échappe pas à la règle et se défait de sa ceinture de pierre. Les maçonneries et les terres des bastions de la citadelle sont tout simplement déversées dans les fossés. En 1877, le 3e chasseur à pied intègre les bâtiments jusqu'en 1940. Durant la Première Guerre mondiale, le régiment va combattre sous les ordres du général Rucquoy et c'est en souvenir de ses hauts faits d'armes que la caserne prendra le nom de général Baron Rucquoy. La caserne doit accueillir un nombre important de soldats, c'est ainsi que les bâtiments seront modifiés en 1913 et en 1953, les terres recouvrant encore les toitures vont disparaître et laisser place à la construction d'un étage. Aujourd'hui, le centre de compétences de la formation Appui occupe les lieux. Il accueille sur le site un état-major et le département logistique, héritier des traditions de l'école de la logistique.
De nombreux vestiges, casemates et galeries ont fait l'objet d'un levé topographique précis, ce qui permet de mettre en évidence les souterrains qui courent toujours sous le site de la citadelle.